Pourquoi avons-nous besoin de se prouver qu'on est capable de faire des choses extraordinaires? Défier nos capacités, repousser nos limites, jusqu'à la rupture parfois. Se sentir vivant n'est pas qu'une excuse, mais un devoir. Pour braver nos craintes, nos doutes et nos démons, jusqu'où sommes-nous capables d'encaisser? Et surtout, comment dans cette douleur en extraire le bonheur qui nous rend si fiers au bout du chemin? Je cherche encore. Bon, je suis dans quel état? C'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. T'as progressé quoi de 50-60% par rapport à il y a 15 jours? Ouais. Bon, je ferais quoi si t'étais pas là? Tu te débrouillerais, hein. J'ai pas toujours été tout le temps là, tu t'en es pas trop mal sorti, apparemment. Ouais. Maintenant, faut qu'on rattrape le retard. Voilà. Lundi 9 janvier 2023, aujourd'hui c'est le jour J pour l'ouverture des inscriptions au Grand Raid. Obtenir ce fameux package qui me donne directement l'accès à la Diagonale des Fous sans passer par le tirage au sort. Le principe de ce package, c'est une formule clé en main qui comprend l'allocation du logement, le vol et bien sûr le dossard. Cette démarche est censée faciliter l'inscription à la Diag, mais ça c'est sur le papier et tout ne se passe pas comme prévu. Bon, après 6 heures de tentative, l'agence de voyage annonce le report des inscriptions à mercredi, en espérant une amélioration de la connexion. Je ne vois pas vraiment ce que ça va changer, mais bon, malgré les galères du serveur local, il y en a quand même 700 qui ont réussi. En attendant, il reste environ 300 dossards sur les 1000 disponibles. Je suis assez perplexe, mais bon, on lâche rien, et on est déjà sûr de l'ultra, même à l'inscription. Mercredi 11 janvier, et la même galère. Après 4 heures d'essai, le site vient de refermer et j'ai aucune idée du nombre de dossards vendus aujourd'hui. L'agence relancera une dernière session lundi prochain. Sur les forums de discussion, la rumeur parle d'une cinquantaine de dossards restants. Faut pas oublier que l'événement est mondial et nous ne sommes pas les seuls en France à vouloir le Graal. Allez, lundi 16 janvier, la dernière chance pour obtenir le package. Il est midi et ça fait déjà 2 heures que j'essaye. Là, ça bug, mais vraiment fort. Bloqué de chez bloqué. Mais putain, ça me casse les... Il restait environ qu'une cinquantaine de dossards à 10 heures, ça veut dire qu'à mon avis, c'est mort. Bon, en réalité, avec la saturation du site et les personnes qui abandonnent l'inscription au fur et à mesure, l'agence nous laisse quelques minutes de répit pour la dernière chance. Je viens d'accéder au paiement. A few moments later. Je viens de valider. Putain, je crois que c'est bon. Mais non! Mais non! T'as pas peur, t'as pas peur, t'as pas peur, t'as pas peur. Il
Putain, je crois que c'est bon, je crois que ça le fait. À la réunion? À la réunion! Eh ben, on y va. Bon, ça y est, on est posé, on est à Saint-Denis, journée finie, hors local, 22h30, on va manger et puis bah, on se retrouve demain à l'appartement pour vous faire découvrir un petit peu le quartier général, le QG. Allez, à demain. Bon, ça y est, on a pris possession des lieux. Il est 6h30 hors métropole, 8h30 hors local. L'île de la Réunion, à cette époque, c'est 2 heures de décalage horaire par rapport à la métropole. Bon, on a bien dormi, hein. Je pense que ça nous a fait du bien à tous les trois. Que dire d'autre? L'endroit est atypique, c'est vraiment tout à fait ce qu'on recherchait. C'est vraiment tout à fait ce style de logement qu'on voulait. On se situe à Saint-Paul, dans le quartier de l'Ermitage, Longuet. On est vraiment à mi-chemin entre Saint-Pierre et Saint-Denis, sur la carte c'est ici. Et si vous voulez visualiser un petit peu mieux le coin en vidéo, on est dans le quartier des Salines, et les Salines du coup c'est ça. Bon, alors oui, je sais, hein, je bosse pas dans une agence touristique, mais c'est toujours plus sympa d'avoir ce genre de petite vidéo de 10-15 secondes pour expliquer un petit peu l'endroit où on se trouve, les endroits où je vais aussi passer de nuit, où vous allez pas forcément vous rendre compte des lieux où je vais me trouver, donc vous aurez toujours une petite vidéo de 10 secondes, histoire de bien visualiser. C'est toujours plus sympa de se projeter avec moi en plein jour plutôt que des endroits où je vais passer de nuit et on va pas forcément bien voir. Donc le programme d'aujourd'hui, on va aller rechercher la voiture de location, on va aller faire un petit peu de course, repérer un peu les lieux et puis et se laisser vivre. Allez, on y va.
Bon, aujourd'hui c'est une petite sortie running pour dégourdir les jambes avec Dadou, ça va? Ça va, ouais. Bon, ouais, il fait quand même assez chaud. Il y a un petit peu de vent, mais il fait quand même relativement chaud. Donc on s'imprègne un peu de la température qu'on aura pour le départ. Bon, ouais, on a laissé Nono au bar. Il nous attend autour d'un café. Ça aurait été un peu compliqué pour lui de reprendre, et surtout dans ce genre de conditions. Enfin, bon, elles sont pas désagréables, hein, mais. Et ouais, ça aurait été dur. Bon, c'est vrai que ce petit run de mise en chauffe est quand même obligatoire. On a eu de 11 heures de vol. Du coup, on a besoin vraiment de remettre la machine en route. Rien n'est laissé au hasard. Ça fait un an que tout est réfléchi, tout est pensé. J'espère ne rien oublier, évidemment. Et après, on y sera et on avisera. Mais vraiment, tout est calculé. Que ce soit les petites sorties, les sorties vraiment intenses, les randonnées, tout ça, tout est vraiment calculé. Et aujourd'hui, bah forcément, cette petite sortie de dégourdissement était aussi prévue. Si vous vous posez éventuellement la question comment j'ai préparé ce grand raid sur un an, la réponse, elle est là. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà une bonne idée de la préparation physique requise pour participer au grand raid. Le travail de dénivelé n'est qu'une clé du trousseau. Toutes les sorties ont leur importance, de la plus difficile à la plus facile. Ce n'est pas qu'une question de souffrance. La Diagonale des Fous en réserve déjà une multitude. Il faut garder en tête la notion de plaisir, et cela passe aussi par de petites sorties familiales. C'est la diversité de ta préparation qui optimise tes chances de réussite. Avec une fréquence de 3 sorties par semaine, j'incorpore une séance spécifique supplémentaire, et cela durant 6 mois. C'est une montée crescendo en intensité qui verrouillera ce processus. Il y aura aussi forcément des moments moins agréables, mais tout aussi importants, comme effectuer des montées de marche en boucle sous un soleil de plomb. Sans doute des conditions réelles que je retrouverai sur cette traversée de l'île. Les sentiers réunionnais nécessitent aussi de savoir marcher longtemps, de jour comme de nuit. La technicité du terrain ne nous permet pas de courir en permanence, alors j'accumule de longues randonnées. Ce fut un exercice tout aussi important que le travail de D+. En termes de marche longue et de grimpette, l'ascension du Mont Blanc fut un apprentissage incroyable et pas des moindres. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour conclure, l'exercice que j'ai vraiment consommé sans modération, c'est la proprioception. Avec des chevilles fragiles, je redoute par-dessus tout une mauvaise blessure. C'est un peu la hantise de tous les trailers. À présent, je vais prendre le départ de ce grand raid. En espérant que tous ces entraînements cumulés ainsi que toutes ces concessions faites durant plusieurs mois seront bénéfiques pour vaincre cette Diagonale des Fous. Bien joué, mec. Tiens. Votre meilleur moment. Le repos avant la tempête. Ah, y a moyen. Du coup, tu disais quoi? Je disais qu'on n'était pas là pour te filer un coup de main, nous on est là pour profiter de la plage, des cocktails. Okay. Ça va être cool. Ouais. D'accord. Je suis pas sûr d'avoir choisi les bons assistants, mais. Ah non. Non, non. Ah nous, non. On a bien. T'as bien fait croire, en fait. Non. On était là pour toi, mais autant te dire la vérité. Quoi. Incroyable. Voilà. Et merde. Bon, on arrive aux cascades de Saint-Gilles. C'est incroyable. Super beau. On a un temps magnifique en plus. On reste un petit peu dans l'activité, hein, histoire de randonner un peu, de garder un petit peu les jambes toniques. Et on va découvrir ça.
Bon les gars, vous avez trouvé ça comment? Non, incroyable. Ouais, c'est beau. Incroyable, magnifique. Bien fait de venir. Bien fait de venir. Ouais. Au moins pour ça. Ouais, si c'est ça le raid, franchement, facile. C'est pour les joueurs. On verra bien. Non, c'est bon. Ah, c'est vrai. Bon, aujourd'hui, c'est la remise des dossards, un jour qu'on attendait avec impatience. On s'est levé très tôt parce qu'il y a du monde et vous n'êtes pas prêts. Vous allez voir, c'est incroyable. Salut Thibaut. Ça va Dimitri? Thibaut, comment ça va? Ouais. Bah, bien. Tu viens de Belgique? Ouais. Liège. Liège. Okay. Ça va? Avec reconnu l'accent. C'est ça un petit peu. T'attends pour le dossard? Ouais. Ouais, ouais. Bon, ouais. On est parti. Il y a doute, hein. Moi, je viens de Rouen. De Rouen? Ouais. Ouais. On l'entend, on l'entend un peu aussi? Un tout petit peu. Bon. Bon, bah, à tout à l'heure. À tantôt, ouais. Ça marche. À tantôt. Bonjour madame. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour monsieur. Merci. Bonjour. Alors, juste ici. Hop. Juste ici, bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Super, très bien. Bien, bah, bien sûr qu'on va faire de la pub. Bonjour, on est les ostéos de Biarritz. N'hésitez pas à venir nous voir sur la course. Voilà, bah, c'est dit. Allez, on y va. Super. On voit sur la alors, course. Alors, nous, on est les ostéos. On est à Silos, la procession et la redoute. Une, et deux, pas trois. C'est bon, ok. Oui, nourriture. Ouais, vraiment, n'hésitez pas. Hein, vous, oui. Vous arrivez, vous avez mal au trapèze, aux adducteurs. Avec batterie, ouais. Voilà. Au chaud. Ouais. Parfait. C'est long. Ouais, c'est long. Laine de mérinos, ça va, ça marche bien. C'est bon. C'est le premier? Ouais, le premier. Voilà. Pas le dernier. Ah, je sais pas. On verra. Il faut qu'on en fait, on les fait tout. On se voit sur le parcours, les ostéos, du coup. Ouais, ouais. N'hésitez pas à nous demander. Hein. Carrément, c'est cool. Non, bouge pas. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez votre carte d'identité? Le check du matos, c'est OK. Direction Dossard. Avec beaucoup de monde, et il y en aura encore plus. C'est parfait. Bonne journée. Bon les gars, la vôtre. Ton dossard. Dossard récupéré, environ 3 heures d'attente. Bah ça se fait bien, mais il faut être patient ici à La Réunion. On y va doucement. Hein. Et bien voilà, ben, je vous reprends tout à l'heure. On verra ce qu'on fera en deuxième partie de journée. Sûrement, à mon avis, un bon briefing. Un bon briefing. Ouais. Ça peut être pas mal pour un bon départ. Un bon briefing alors. Ouais. Pour un bon départ. Ouais. On y va comme ça. Domaine vidéo, c'est OK. Ça, on l'a vu. Notre-Dame dans la foulée, c'est bon. C'est ça, possible, on va pouvoir ouais. Le faire, ça. Donc ça. Du coup, ce qu'on s'était dit, est-ce que vous venez au parking Netbeu ou est-ce que vous me retrouvez à Marabout? Si tu veux, je vais y passer peut-être vers 5h30 du matin à Netbeu. Par contre, à Marabout, je vais passer vers 8h30. Donc vous, ça vous laisse le temps de rentrer, dormir. C'est mieux aller à Marabout. C'est ce que j'allais dire. Mieux aller à Marabout. Pour si peu, ça sert à rien. J'ai rien compris. Combien de temps vous allez mettre?
à repartir avec le 4x4 pour reprendre la voiture pour aller à Dodane. C'est ça aussi. Ça, ça va être une dinguerie. À Dodane, on ne pourra pas venir te voir à cause de ça. Et à Dodane, ouais, peut-être pas. Ça, c'est pas grave. Ce hein, par contre, après, chaud, chemin Ratino, La Possession, Grand Chaloup, Colorado, là, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. Les amis, je vous mettrai en photo, en fait, cette petite page-là que vous verrez pour vous rendre un petit peu compte, histoire de voir tous les temps de passage, tous les ravitaillements, toutes les bases de vie, enfin tout ça, quoi. Des fous, on y est, c'est aujourd'hui objectif numéro 1 de cette année, l'objectif numéro 1 peut-être même de toute ma vie. Ça y est, le jour J est arrivé, je suis super content, extrêmement pressé d'en découdre. Énormément de monde, une ambiance incroyable, c'est vraiment, j'ai jamais vu ça. J'ai vraiment hâte de prendre le départ parce que ça va être, à mon avis, à couper le souffle. Les amis, restez avec moi, départ dans une heure, je vais gagner le sas et attendre tranquillement. Et on va se mettre en marche et tâter la température. Allez, on y va. A few moments later. Salut Alex, comment Hello. Ça va? Bah écoute, ça va, on est au départ, on attend. Comment tu te sens? Je me sens comme un mec qui a très envie de faire pisser, qui a envie de pisser, qui a 10 heures de queue comme d'habitude. Et cette année, on peut plus aller pisser sur les bords, il y a des mecs qui nous surveillent donc. Et ta blessure, comment ça? Bah je me suis fait une cheville moi il y a 3 semaines. Ouais, c'est ça, il y a 3 semaines. Et donc là, ça va mieux, elle est encore un peu rigide, mais ça va mieux donc. Non, ça, pas trop d'inquiétude là-dessus là, pour l'instant. Un petit plan de course? Non, en vrai, pas de course, partir moins vite que l'année dernière. Ouais, t'es parti vite l'année dernière, mon salaud. Ouais, mais on part moins vite qu'à l'UTMB. Ouais, hein, non, c'est ça. Ouais, c'est clair. Et donc, non, essayer d'arriver enfin à masser la hausse pour avaler ma fat le plus rapidement possible. Ou en meilleure forme. Bah, je te souhaite une bonne course en tout cas. Merci à toi aussi, à plus tard. Ouais, bah ouais. Salut Alex. J'espère pas sur le chantier quand même. Non, non, déconne pas. Ciao, bonne course. Ciao, merci. On y est, Dimitri. Eh ouais, ça y est. On y est, on se dirige vers l'arche pour prendre le départ.
Comment ça va? Nickel. Ça va? Ouais, on est là. On est là. Allez, on a une chance. À toutes, à toutes. Bah dis donc mes amis, c'était quelque chose, hein. On a malheureusement quitté cette ambiance de dingue, 5 km, c'était vraiment incroyable, vraiment c'est... J'ai pas les mots, ça fait super plaisir aussi de voir Dadou et Nono sur le parcours, normalement je devrais avec de la chance les voir aussi Domaine Vido dans 14 km, enfin dans 10 maintenant. Ça y est, on a quitté du coup le centre, on arrive du côté des champs de canne à sucre pour monter, donc on est parti pour... 165 km, 10 000 mètres de dénivelé positif et normalement jusqu'à dimanche matin. Et bien voilà. Allez, 14e kilomètre, bientôt le premier ravitaillement, Domaine Vido. Ravitailleur d'élite. Ça va les gars? Ça va. Bon, on ça va. Salut. Salut. Bon, on se voit demain matin. Ouais, on se voit tout à l'heure. Ouais. Attention les gars. Bisous. À demain. Courage. Bonne nuit. Courage. Merci. Allez, à demain. Allez, ciao, ciao. On y va. Allez. Ah ouais, l'assistance, voir des gars qu'on connaît, des visages familiers, franchement ça a pas de prix. Un gros big up à eux, hein. De toute façon cette aventure là n'aurait pas été possible s'ils avaient pas été avec moi. Ils reverront dans la vidéo, mais c'est pas faute de leur répéter, mais franchement c'est vraiment un gros plus sur cette diagonale des fous. Allez, on est reparti, direction Notre-Dame de la Paix pour à peu près la même portion, 14 km environ, une heure d'avance sur la barrière horaire, c'est correct. Je vais essayer de garder ce rythme-là, toujours avancer à mon rythme et pas forcément rapide, mais toujours avancer sans perdre trop de temps. Et on verra un petit peu ce qu'il en est demain matin. On est vraiment rentré dans cette diag, les sentiers commencent à se dessiner. On va avoir un petit peu de dénivelé là, on a déjà pris 600 mètres et on va reprendre environ 1000 mètres hein, sur les 14 km qui arrivent. Bon, on est au 15e kilomètre, on subit quelques petits bouchons, visiblement rien de vraiment important, mais bon, on ralentit un peu quoi. C'est un peu plus dense, hein. Bon, en fait, il y a un étranglement avec un escalier, donc forcément on s'agglutine un petit peu. On prend notre mal en patience, mais on va peut-être être bloqué peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Bon, un petit point sur la course, du coup, on est parti, il faisait vraiment lourd à Saint-Pierre, 30 degrés, donc on a beaucoup transpiré dans les champs de canne à sucre, j'ai déjà changé de t-shirt, là la nuit est plutôt agréable, hein. On doit être aux alentours de 20-22 degrés, donc c'est vraiment agréable pour courir. Il faut savoir qu'à La Réunion, il peut y avoir sur cette île plus de 100 microclimats. Donc en fait, tout au long du parcours, le temps va changer en permanence. Cette année, on a de la chance, on ne devrait pas avoir de gel, mais on risque d'avoir quand même un peu de pluie et aussi beaucoup de chaleur. Donc voilà, on s'adapte, on boit beaucoup, on a pas mal de textiles avec nous. Ça permet un petit peu d'anticiper et de s'adapter. Devant là-bas, une personne. Comment ça fait un selfie? Salut Laurent, ça va? Salut, ouais. Ça va, écoute. Ouais. On est dans les bouchons avec Laurent. Je lui ai demandé conseil parce qu'en fait, il a participé l'année dernière et il me disait que ça bouchonnait toujours ici. Mais là, c'est, ça bat des records. Hein. J'ai l'impression que c'est plus long que l'année dernière. Ça fait une heure qu'on est bloqué en fait. Une heure où on avance vraiment pas par pas.
Et inquiétant. Non, ils ont élargi un peu les barrières horaires, je crois. Les barrières sont un petit peu élargies, donc normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Parce que là, je ne pense pas qu'on aura encore pour trop longtemps. D'accord. Et après, normalement, on devrait pouvoir rattraper un petit peu le retard. D'accord. C'est rassurant pour moi. Il faut faire attention à ne pas aller trop vite pour ne pas être bloqué. Pour pas être à court de jus après. Pas se griller, c'est clair. Mais faire attention, mais sinon. Ok, c'est rassurant, d'accord. Ça marche. Bon, Maddy, bonne course à toi. Merci. Merci. Bon, super nouvelle, l'Orga vient de nous annoncer qu'il nous rajoute une heure sur la barrière horaire, et ça franchement, là, c'est top. On va repartir quand même, on va pas traîner, parce que on peut avoir des problèmes sur la route, hein, on a vu ça. Donc je vais garder quand même une marge. Hein. En fait, moi, mon objectif sur cette première journée, c'est quand même de garder une marge confortable sur les barrières horaires, pour voir après comment ça se passera sur la deuxième journée. Donc aujourd'hui, cette nuit et la journée qui va arriver, je ne perdrai pas de temps, je me poserai bien comme il faut à la base de vie à Cilaos, mais avant j'enchaîne un maximum et des pauses de 10 minutes maximum au ravitaillement. Eh bien, good morning à tous, le jour s'est levé, il est 6h30. On est au 38e kilomètre, j'ai un petit coup de barre là, mais ça va passer. Direction parking Netbeuf dans 2 km pour le prochain ravito. Le jour CD, ça fait vraiment du bien, ça redonne un petit coup de morale. Et voilà, la journée commence avec le beau temps. Hein, c'est agréable. Oui, c'est agréable. Oui, hein, bon ben voilà, on y va. Hein. Ah, c'est dingue, on se croirait dans les Alpes, il y a des sapins partout. C'est vraiment, en fait, sur cette île, c'est vraiment un microclimat ambiant. Le décor change vraiment tout le temps, c'est vraiment impressionnant. Et les terrains ressemblent aussi un petit peu à ceux qu'on peut trouver à la montagne. Et, après, le décor va changer, va évoluer au fur et à mesure des kilomètres accumulés. Et ça va être cool, on va pouvoir découvrir plein de choses. Et ça y est, on arrive au parking Netbeuf. Bonjour. Bonjour, merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, départ parking Netbeuf, direction Marabout, 10 km, normalement que de la descente. Je devrais mettre 1h30, 2h, je pense, parce que je sais pas si je vais tout pouvoir courir. Bon, cette descente vers Marabout, elle est casse-pattes, racines, cailloux, marches. C'est vraiment casse-pattes. Donc au final, c'est une belle descente, elle n'est pas forcément épuisante et on peut pas forcément non plus tout courir parce qu'elle est technique. Ah, la taille des marches, quoi. Bon, c'est vrai aussi, je suis désolé pour l'accoutrement. Je mets une veste par-dessus mon sac d'hydratation, une veste en XL,
petit gabarit, mais du coup j'ai pris une grande taille pour pouvoir la mettre par-dessus mon sac. Ça m'évite de retirer le sac, mettre la veste en dessous, du coup je la garde à portée de main. Et comme je disais, un microclimat à La Réunion, on passe son temps à se couvrir, découvrir. Allez Dimitri! Merci! Oh les fratés! Ça va, les fratés! Ça va? Ça va? T'as l'air en forme, foiré! Comment tu fais? Je cours, je sais pas, je cours. T'as un grand mal. Je sais pas, je vole. Ça va, ça fait? Ouais, ça fait. Il va falloir que je ralentisse un peu. Ouais, parce que j'ai tellement eu peur avec les bouchons que je me suis mis. J'ai eu peur de sortir. Allez mon Dimout. Allez c'est parti mon. On y va? On y va hein. Ouais. Allez, on se retrouve là-bas. On se retrouve à Sillaos. Avec le même sourire. Avec le même sourire. Allez, c'est cool mon pote. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, c'est reparti. Objectif Sillaos. Ouais, dans 24 km, je crois qu'il y a un autre ravitaillement entre deux. Ça sera la base de vie au 74e kilomètre. Bon, bah, je viens de laisser David et Bruno là. Qu'est-ce que ça fait du bien de les voir. Petit repas chaud avec des pâtes et du poulet. Et ben, bah, comme dirait mon papa, hein, ça remet le facteur sur le vélo tout ça. La décadence est en marche. Bon, allez, il paraît que maintenant il va y avoir des beaux paysages. Bah, je vais rester concentré. J'ai un petit peu de jambes, le moral forcément, il est intact. Et bah, je vais vous faire découvrir tout ça. Bon, ça y est, le décor, il a littéralement changé. Ça fait bizarre. C'est joli, carrément joli. Il y a de la mousse partout. Bon, bah, forcément des cailloux, hein, comme d'hab. Puis la végétation est différente. C'est magnifique. 55 km, on vient de passer le tiers de la course. C'est toujours bien d'avoir un petit repère comme ça. Ça permet de se projeter un petit peu. Il reste deux tiers. Ouais, ça c'était pas dur à trouver. Ben voilà, pour l'instant tout va toujours bien. Une heure d'avance sur la barrière horaire. Ouais, tout à l'heure je m'étais déchiré, 4 heures, j'ai dit n'importe quoi. C'était une heure plus une heure, j'avais 2 heures d'avance. Et du coup là on est reparti. Ils ont retiré l'heure qu'ils nous avaient offert à cause du bouchon pour arriver à ce ravitaillement là. Donc au final là on repart à zéro. Donc j'ai plus qu'une heure d'avance. Mais ça va le faire. C'est. Voilà, il faut que j'arrive à Sillaos avant 18h45. On est large, il est 11h20. 24 km, ouais, ça devrait le faire même si on va prendre cher là. 650 de D+ sur une montée qui est technique et une descente tout aussi dure. Bon allez. J'y vais, je reste concentré, c'est parti. Regardez la couleur de la mousse. Bon, ça fait une heure que je monte, c'est toujours aussi technique. Cailloux, racines, méga glissant. Bon là, dans ces petits sentiers là,
gauche-droite. Si tu tombes, comme dirait mon collègue du dessus, bah tu tombes. Voilà le chantier. Dans la jungle, hein. Enfin on est dans la jungle en fait, on se croirait pas, on y est, oh, les chemins sont dingues. Une vue dégueulasse. Bon là j'ai pris une balle. Interminable, interminable cette montée de 10 km à zigzaguer en fait dans un maquis haut. Et en fait la différence qu'il peut y avoir avec les Alpes, les montagnes en France, en métropole et cette diagonale des fous, c'est qu'en fait dans les Alpes, on visualise le parcours. Quand on prend un chemin en bas, éventuellement on voit le sommet. Et là, ce qui est vraiment extrêmement usant et démoralisant, c'est qu'on ne voit pas en fait le bout du chemin. Donc on y va vraiment à l'aveugle. À l'aveugle, et c'est fou. Mentalement, c'est dur, très 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 dur, parce qu'on n'en voit jamais le bout. Et visiblement, c'est comme ça sur toute la course. Bon, allez, on arrive au plateau Kotokarvegen, plateau Kervegen, je crois. Bonjour. Bonjour. 14, 91. Merci. Bon, j'ai pas traîné, hein. J'ai fait le plein des gourdes et je suis reparti direct. Gros morceau là, 2 km de montée et 8 km de descente. Visiblement très difficile, très technique. Et bien on va voir ça. Bon, ça y est les amis, j'en suis sorti, j'arrive à Cilaos dans environ 30 minutes. Par contre, je sors du bloc, donc le petit ravito avant Cilaos. Je m'y suis pas arrêté, hein. J'ai tracé, j'ai eu des échos disant qu'en fait, l'heure qui devait nous rajouter, bah, c'est peut-être pas sûr. Donc en fait, ce matin, comme ça a bouchonné, l'orga devait nous laisser une heure de plus. Et visiblement, il y a certains bénévoles qui me disent, non, non, il n'est pas question. Donc grosso modo, si je me dépêche, je vais arriver à 18h15 pour 18h30. Donc, je perds pas de temps, je me mets en mode survie et je fonce. Et bien voilà, on arrive à la base de vie de Cilaos.
sont là. Ils sont là, les brothers. Ça va ou quoi? Bon, qu'il y a l'air. Ah, les sons. C'était chaud. Ah, c'était très très chaud. Très très chaud. Ça montait très fort. Hein. Ouais, ça descendait très fort aussi. C'était la pire. Ouais, ouais, c'était. Ouais. Merci. Bon. T'as 4 de D+. Après, faut que j'aille à Marla. Après, Marla, t'es beaucoup plus large. T'es plus large. Franchement, c'est je lui l'annonce ce matin et nous l'annonce. Je pensais que c'était plus. Il rajoutait une heure sur toutes les tranches. Bah, c'est logique que si tu perds une heure au début, tu vas perdre une heure à la fin. Tu vas faire comment pour l'attraper? C'est ultra con, quoi. Putain, ça me dégoûte. Bon, allez, tombe avec toi. Allez, mon gars. Droite. Droite, c'est toi, gauche. Bon, ça y est, il est reparti. On va le choper à taille bite. Et puis, ben voilà. Bon, un peu blasé, mais il a eu un tour au téléphone. On a réussi à discuter un peu. On l'a reboosté. C'est reparti, mais on a réussi à lui faire comprendre que les barrières horaires vont s'étirer après, donc je pense qu'il en a pris conscience en partant. Voilà, ça va le faire. Bon allez, je vous fais des bisous à tous. Bon les amis, l'heure est grave. Je vais essayer de faire simple. Je suis déjà reparti. J'ai pris une douche très très rapide. J'ai pu me changer. J'ai quasiment rien mangé. L'heure qui devait être rajoutée n'a pas été rajoutée. Je suis vraiment borderline avec la barrière horaire. Il faut que je sois au début du sentier du Taillebite à 21h30. Il est 19h. Et j'ai 6 km et 500 mètres de dénivelé positif à faire en 2h30. Je vais pas perdre de temps. Je vais ranger la caméra et ça m'embêterait vraiment vraiment de sortir là-dessus avec toutes les concessions que j'ai pu faire pour un problème d'organisation. J'espère pas franchement. Vous allez comprendre, c'est tout simple. On part par vague. J'étais dans la vague 4, il y avait même une vague 5. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui sont parties qui avaient mon niveau vague 4, vague 5, et ils sont partis en vague 2 et vague 1. Choisi par l'organisation. Alors qu'est-ce qui se passe au premier rétrécissement? Bah, ces personnes-là vont beaucoup moins vite que les élites et puis les personnes qui ont un indice Citra à 650, donc résultat du compte, bouchon. L'organisation nous annonce qu'en fait, ils nous rajoutent une heure parce qu'on a passé quasiment 1h30 en fait dans le bouchon, donc une heure logique sur l'ensemble de la course. Et bah non, pas sur l'ensemble de la course, une heure jusqu'en fait à cette base de vie. Et après, on repart à zéro. Donc en fait, ça a arrangé personne. Je pense qu'à mon avis, il y en aura beaucoup, beaucoup qui vont être sortis là-dessus. Voilà ce qu'il en est. Donc le timing était vraiment très serré. J'ai pu voir Bruno et David, mais vraiment au coup de vent. Ça m'embête quoi, ça m'embête. On ne s'était pas organisé comme ça. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc je range la caméra, je mets le couteau entre les dents et puis bah j'y vais. Hein. Il est là. Venez-vous changer vos batteries, hein, parce que c'est que Marla. Hein. Après, il n'y aura plus, c'est que Marla. Et après, descend. Là, tout de suite, il ne faut pas descendre. Ah merde, ah, c'est pas là. Non, c'est là-bas. Ah, d'accord. Ne les écoute pas, c'est là-bas. Va récupérer ton t-shirt jaune. Tu l'as survécu comme un fou. On va aller le chercher. Voilà, bravo, va chercher. Ça, il n'y a pas le choix. Pourquoi tu vas aller le chercher? Quand tu arrives dans ma... Si tu arrives en haut là, t'es mort, hein. Soit tu descends là, ou soit tu montes. Non, il va monter, il va monter. Attends, il va monter. Il va monter, il n'a pas fait ça pour allez, rien. Allez, monte. Non, tu verras pas derrière. Tu bascules pas trop en arrière, moi. Ouais, je préfère. Il faut se partir. Vas-y. 10 minutes. On te met à rêver. Moi, tu me tues. Vas-y, tu me sais plus.
diligence plus sur la montée, sauf que des petites marches à la con. Allez. Allez, petit sourire. Allez, c'est cool, mon coup. Allez, on pense à toi, là, je suis fou. Allez. Allez, tu vas y arriver. T'as aucune raison. Allez, déboute. Allez, du bout! Allez, tu fous! Attends! Allez, go, c'est parti! Chaud! Bon, bah, il est parti, hein. Je l'ai fait. Ça y est, je suis dans le sentier du Taillebit. J'ai couru comme un dératé pour avoir 20 minutes d'avance sur la barrière horaire. J'ai même pu dormir 10 minutes avant de monter dans ce sentier. Ça y est, voilà, on laisse la route derrière soi et là on va rentrer dans le cirque de Mafat. C'est un moment que je redoutais. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Bon, donc je suis encore vivant, je suis toujours là. On attaque la deuxième nuit blanche. Et on doit être au 84e kilomètre. C'est un chantier monumental. On ne l'appelle pas la diagonale des fous pour rien. C'est vraiment quelque chose de... Tout est démesuré. Hein. La difficulté, les sentiers, les montées, les descentes. Bref. Bon, allez. Je coupe la caméra, j'ai que 3 heures pour aller à Marla, 6 km et 2 belles montées et une belle descente. Allez, ça serait dommage de sortir maintenant, je reste concentré et j'y vais. Hein. Allez. Allez. Bonjour. Bonjour. Ça va? Entrez, il y a quoi, la tisane, je crois. Allez, entrez. Elle est là, la fameuse tisane ascenseur. Voilà. Allez, on y va alors. Allez-y. Mais oui, mais j'ai pu bouger, mais c'est pas possible, t'es pas allumé à tous les étages, toi. Bonjour, madame. Bonjour. Vous voulez du sucre? Un tout petit peu, je veux bien. Comme ça? Oui, il y en a assez. Merci beaucoup, madame. Allez. Bon, je suis arrivé à Marla. Marla, c'est ça. Et en fait, je suis pas fier parce que je suis arrivé à une minute de la barrière horaire. Vraiment, vraiment borderline. J'ai encore les jambes qui tremblent. J'ai fini la descente vraiment au taquet en courant tout ce que je pouvais pour vraiment arriver à temps. Par contre, il y a une bonne nouvelle en fait. J'ai des messages en fait ici. Il y avait possibilité de laisser des messages sur une télé. On va aller voir ça. Allez, on y va. Ah, ça fait plaisir, hein. Ça remet un petit peu de... Bon,
Allez, je perds pas de temps, je vais même pas pouvoir m'arrêter, je vais même pas pouvoir me ravitailler correctement. Je suis vraiment, vraiment sur le fil à chaque fois, je sais pas jusqu'où ça va tenir. Ça se trouve, le prochain je vais sortir, ou celui d'après. On devrait élargir un petit peu, mais je suis vraiment borderline à chaque fois. Bah, je vous laisse les amis, je repars et je vous récupère à la plaine des mers là. Allez, à tout à l'heure. Bon, eh bien, je suis arrivé avec 2 minutes d'avance. C'est n'importe quoi. Bah honnêtement, je sais pas si je vais pouvoir faire toute cette diagonale comme ça avec vraiment des barrières tellement infimes que je vais mal m'alimenter, je vais pas dormir, je vais pas me reposer. Mais en tout cas, je lâcherai rien. Je ferai tout pour arriver à chaque fois dans temps et en heure. De toute façon, je suis là pour ça et je lâcherai rien. Bon, ça va les gars? Bah nous ça va ma coup. Bon, bah ouais ça va. On est à Sentier Scout. Les gars m'ont rejoint. Ils ont missionné de dingue juste pour venir me voir un quart d'heure. Incroyable, ça a été un gros périple pour eux aussi en voiture pour venir jusqu'ici à travers le cirque de Salazie. Enfin bon bref. Toujours pareil, borderline, mais on lâche rien et on lâche rien à 3. C'est très très positif. Direction Grand Place Le Bas, j'ai 4 heures pour faire 11 km. Comme d'hab, faut pas traîner. Non, tu vas y aller là. C'est ça. Bah, ouais, fond. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Le jour se lève et je pense que, à mon avis, les images vont être incroyables. Ouais, là, ça va être joli. Allez. Alors oui, il faut savoir ici que en fait, on se pose n'importe où quand le sommeil nous prend. J'ai vu beaucoup de trailers sur les bas-côtés avec les couvertures de survie. Que ce soit de jour comme de nuit d'ailleurs. Et c'est ce qui en fait aussi un petit truc supplémentaire. On peut déjà le voir sur d'autres ultras, mais à la Diag, c'est vraiment bien particulier. Hein. Ah, ce fameux chemin dans Sentier Scout, mythique. De chaque côté le précipice. Donc là faut pas se louper. Et c'est surtout juste magnifique. À couper le souffle. Ça y est, je suis dedans. Eh
Et ouais, dans ma FAT, il n'y a pas le choix. Quand il y a un accident grave, c'est forcément par l'hélicoptère. Donc en fait, il n'y a pas de route accessible pour venir dans les chemins. Donc c'est direction l'hôpital par l'hélicoptère. Bon, ça y est, je suis bien arrivé à Grand Place. Je me suis déjà ravitaillé, j'ai fait le plein en eau, lunettes, casquette, je vais la tremper, crème solaire, parce que là, on va s'attaquer à un très gros morceau. Oui, le monsieur le dit, chargez-vous en eau. Je vous explique tout ça après. Bon, je me dirige vers Roche-Plate. Roche-Plate, c'est quoi ? Roche-Plate, c'est en plein soleil déjà, pour commencer. C'est une belle montagne où on va faire 2M, donc on va prendre une fois 500 mètres de dénivelé, redescendre tout en bas et reprendre 600 mètres de dénivelé. Au total, 1100 en plein soleil, comme je le disais. Terrain super technique. Et j'ai 5 heures pour faire ça. Donc là, ça va peut-être se jouer là aujourd'hui. J'espère pas, mais comme d'hab, hein, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Je vais pas tricher et je vais y aller à fond. Hein. Bon, on descend tout en bas pour remonter tout en haut. Deux fois. Tout un programme. Allez, direction Roche-Plate, 3 heures. J'ai un peu de marge, j'ai 45 minutes de marge. Ça sera pas trop à mon avis. Bien sûr. C'est pas basse. km, 7000 de D+. Je croyais que la barrière horaire était à 14h15. En fait, ils l'ont repoussé à 14h50. Je viens de voir un bénévole, il me dit t'as le temps. Sauf que là, mon corps, il me lâche. Total. Je vais donner mes derniers efforts.
en plus de la musique triste dans les oreilles, c'est cool ça. N'importe quoi. J'ai eu la brillante idée de faire une playlist qui rappelait tous les moments importants dans ma vie. Vraiment être con pour faire ça quoi. Je voulais pas sortir comme ça quoi, putain. Et l'orga là, l'orga, on en parle de l'orga. Putain. Une heure sur toutes les barrières. J'en serais pas là quoi. J'ai plus du tout d'énergie, du tout. Dès que je ferme les yeux, je m'endors. Et en fait, j'arrive pas beaucoup à manger non plus. Et alors il fait un peu 40 degrés là. Ça cogne. Bon bah. Je vous reprends à Roche-Plate, là-haut. Parce que toi, quoi qu'il arrive, bah de toute façon j'y vais. Et on verra bien. Tout ça pour ça. Dépêche-toi. Cours. Et cours. Je peux pas. Allez, si tu prends 2 minutes, t'es disqualifié. C'est vrai, ouais. C'est où c'est là-bas. C'est la bannière bleue. Je peux cours. Passer ouais, Vas-y. Allez. Putain, ça peut passer. Tu là. Passe la bannière bleue. Ah. Allez, vas-y. On va le scanner. Elle s'en fout. Elle s'en fout qui arrive. Oui, c'est pas ça. Oh putain, non. Vas-y. Quelle vague. La yes, Dimitri. 14-91, 14-31. Bah je sais pas comment j'ai pu repartir. Honnêtement, je pense que la Diag ne veut pas se séparer de moi. c'est incroyable. Je pensais vraiment sortir là. Petite décision de dernière minute, on va pousser de 15 minutes la dernière barrière horaire, histoire de comment dire, de faire repartir un maximum de personnes, sachant qu'en fait ici on est vraiment dans le cœur de Mafate et on peut pas vraiment venir nous rapatrier, donc en fait il n'y a qu'une solution, c'est d'en sortir par ses petites jambes. Donc au final je pense que ça arrange aussi pas mal l'orga que les coureurs repartent d'eux-mêmes. Et eh ben c'est le cas. Je dois avoir une bonne étoile, franchement. Tout est fait pour que j'aille au bout. Que ça soit moi ou les éléments extérieurs qui me donnent un petit coup de main. Enfin bref, j'ai bien mangé. J'ai dormi 30 minutes. Et franchement, je suis dans un état relativement bien. J'ai pas mal aux jambes. J'ai pas de cloque. Enfin, c'est dingue quoi. 120 km et tout va bien. C'est pour ça que ça m'aurait vraiment embêté de sortir. Juste parce que en fait mon corps me lâche quoi. Donc là, là c'est bon, hein. Il est reparti. Et j'ai 14 km à effectuer pour aller récupérer. Merci. Pour aller récupérer la deuxième base de vie qui se trouve à deux bras. Où je vais retrouver David et Nono. Et ça aussi, ça n'a pas de prix. Hein. Bon ben voilà. Là vraiment on est rentré dans la course, hein. On a fait plus de la moitié et bah, je vais pareil, hein, tout saigner, le couteau entre les dents pour aller au bout. Et bien voilà, c'était un petit point course intéressant et important à faire pour ma part, hein, c'est surtout pour me rassurer moi. Allez, on est reparti, je pense que je vais même pouvoir courir, donc j'ai pas envie de perdre trop de temps pour avoir un petit peu de temps à la base de vie pour pouvoir me poser tranquillement. Allez, à tout à l'heure. Bon, c'est quand on voit ça qu'on se dit qu'on est vraiment dans un cirque. C'est incroyable. Comme je vous disais en début de vidéo, on peut avoir une centaine de microclimats sur l'île. Et du coup, bah, la végétation
et luxuriante, on en retrouve de tout, hein. Que ce soit des fleurs, de la mousse, c'est vraiment joli. Merci monsieur, bonne soirée. Merci, bonne continuation. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Allez. Et voilà, ça n'a pas de prix ça. Une petite bière sans alcool dans un bar vraiment insolite. Il est content. Sur le bord du sentier. Franchement, c'est top. Bon, je repars du petit hameau, les Îlettes des Orangers. J'espère que je le prononce bien. Petit hameau dans ma fat. Ce que vous avez vu là, c'était l'école. Bon allez, on est parti pour une belle descente de 8 km pour rejoindre la base de vie à Debra. 8 km de descente, j'ai 3 heures. Faut pas que je traîne parce que les descentes ici, c'est pas une autoroute. Donc 3 heures pour faire 8 km, c'est pas trop. Allez, dans quelques instants, on va ressortir la frontale parce qu'ici, le soleil se couche à 18h30 au plus tard. Et par contre, l'avantage, c'est qu'à 5h30, il fait super jour. Allez, je vous dis à tout à l'heure à la base de vie en espérant que j'arrive à temps. Bon, ça y est, je suis rentré dans la troisième nuit. La nuit tant redoutée par les trailers, celle qui les avale. une fois qu'on est de toute façon dans cette troisième nuit, je pense que chaque trailer va en découdre et veut aller au bout. Hein. On est bien conditionné. On savait pour la plupart à l'avance si on n'en passerait que deux ou trois. Pour moi c'était trois, c'était sûr, avec une soixantaine d'heures. Je pense que je vais être dans cette estimation là. Bon alors là comment ça s'organise? Ça descend, il y a 6 km de descente. Je ne sais pas si je préfère descendre ou monter. Monter, ça fait accélérer le cardio. Donc forcément, on est essoufflé, le cœur bat vite. Par contre, descendre musculairement, c'est une tannée. Je pense que je préfère quand même descendre parce que je pense que ça fatigue moins. Musculairement, ça use, mais ça fatigue moins le fait de garder un cardio. Là, par exemple, je peux parler, mais dans les montées, je peux pas parler. Ouais. Ouais, ça vous ferait du bien, ça. Hein. On reste concentré, c'est pas le moment de se faire une cheville. On est je sais plus combien on est, on doit être au 130e kilomètre, ça serait dommage quand même. Bon bah voilà, allez, je vous reprends à deux bras. Bon les amis, je pense que j'ai dépassé la barrière horaire. Elle était à 21h, il est 21h10. J'arrive là, mais je sais pas si leur gars a décidé de changer celle-ci. Celle d'avant avait été changée, mais je suis pas sûr, je sais pas. Visiblement, ils avaient l'air de dire que plus on avançait dans la course, plus c'était large. Eh ben, j'espère. Allez, je vous reprends à deux bras. En espérant que la suite soit heureuse. Ouais, c'est mort. Non, c'est mort. Je vous ferme. Oh là là là. Radiag, vous êtes hors délai.
faut voir avec la table qui est juste là. Bravo quand même. Alors, je vais arriver là. À tout. Je me suis souvent répété que si je désirais quelque chose, il fallait que j'aille le chercher moi-même. Que je n'étais pas non plus destiné à une grande carrière ou de grands projets. J'en doute un peu aujourd'hui. Les années passent et la liste de mes envies diminue. Je repousse chaque jour la monotonie par des choses simples du quotidien. Ces petites choses qui, une fois assemblées, me dirigent doucement vers de plus grands projets. Cette démarche est vitale pour moi. L'ennui me fait peur, englué dans une routine qui nous empêche de voir autre chose. Découvrir, apprendre et emmagasiner des connaissances est une priorité. Après une telle aventure comme cette diagonale des fous, on touche presque les étoiles du bout des doigts. L'euphorie est extrême, la satisfaction du devoir accompli nous envahit pendant plusieurs jours. La descente risque d'être difficile d'ailleurs, compliquée. Quand on vit une telle expérience comme celle-ci, il faut trouver la force de rebondir vers autre chose, trouver un nouvel objectif. La déprime va s'installer doucement dans les semaines à venir, c'est toujours la même histoire. Alors que faire? Dans quelle direction vais-je pouvoir concentrer mes forces? Je vais trouver car c'est en moi, cela fait partie de moi, ce sont mes traits de caractère. Bref, je reviendrai pour partager avec vous, j'aime trop ça en fait. Ce grand raid restera gravé à jamais comme l'une de mes plus belles expériences humaines et sportives. Extrêmement difficile, mais toujours vivant, plus que jamais. Alors oui, je reviendrai. Rien n'est fini. Ce n'est pas une conclusion, mais un apprentissage de plus qui fait de moi aujourd'hui ce que je suis au plus profond de mon âme. Thank you.
Thank you.